pour la première vidéo de notre aventure de partir à l'autre bout du monde entre potes. On va vous montrer un peu comment on a eu cette idée un peu folle de se barrer à trois. Notre acolyte est pas là. Comme vous voyez, on est bien arrivé à Melbourne. Mais on va vous montrer comment on a eu cette idée de partir à l'autre bout du monde, pourquoi on a fait ça. Exactement. Et donc voilà, on vous laisse avec le commencement. Allô ? Est-ce que tu te fais pas chier dans ton train de vie de merde ? Mais mec, c'est littéral, hein, là vraiment je mets les PQ dans le caca là. C'est... Ton putain de métro boulot dodo là. Moi j'en veux plus, moi je veux passer à autre chose, moi je vais me dire, je vais le jour là, et c'est vraiment là je fais mon caca là, mon caca c'est bureau boulot dodo là. C'est littéral hein. Non mais non, je te parle pas de caca, viens on se casse. Ouais. En vrai, ça te dirait pas on va en Australie en vrai? Mais gros, tout le monde va là-bas. Non, c'est chiant. Okay, okay. Tout le monde va en Australie. Non, okay, j'ai une idée les gars, viens on va en Australie. Bah en vrai, je sais pas. C'est sympa. Je sais pas. C'est sympa. Ok. Bon, je te dis, mec, Australie, on y va. On n'a pas d'expérience, pas de taf, on s'en bat les couilles, on y va one life et on voit, tu vois. Ouais, bah pourquoi pas, en vrai, moi je suis d'accord un peu avec lui. Gros, viens, on prend les billets maintenant, là. On prend les billets maintenant? Ouais, on prend les... Non, mais ça tenait, ça. Un cadre. Il faut un cadre. Ça tenait, t'inquiète. Il faut un cadre. Non, mais non. Les gars, vous êtes au courant que si on prend les billets là, maintenant, là, tous les trois, on part en Australie. On part déjà, on dit adieu à tout le monde. Toi, déjà, tu dis adieu à ta meuf. Un an, c'est long, hein. Oui, un an. Un an, c'est long, sa mère. Un an, on est tous les trois en CDI. C'est-à-dire que dès lundi, là, on pose notre DEM. Ouais. Mais moi, j'ai déjà dû. On sera demain, c'est pas grave, hein. Oui. Moi, ça me dérange pas. On pose notre DEM demain. Bah, demain. Vas-y gros. Bon mec, lundi c'est posé, je dis moi j'aime pas trop, je me casse. Bon, on va prendre les bières. Bah pourquoi ça? Vas-y. Bah, vous êtes pas câble. En vrai vous êtes pas câble les gars. Bah venez. Vas-y, bah, mais vas-y, on va prendre les bières quand même. Gros, on va prendre les bières. Je regarde. Mec, bébé, on va prendre notre bug. Mec, on n'est pas ensemble. Mec, 62 minutes. 4 sièges. 4 sièges. Comment ça, 4 sièges? T'as cru que t'étais en hôtel ou quoi? 4 sièges. Comment ça? Ah, il reste plus que 4 sièges. Oui. On est 3, attends. Dépêchez-vous, les gars. C'est important. Malo, assis-toi. Malo, assis-toi. Malo. Donc, 4 sièges. Quoi ton ressenti là? Ressenti boule plus billet de vol. Incroyable. On veut dire incroyable. Je crois une clope en même temps, tu vois. Incroyable quand même. Et toi ton ressenti? Les trois points. Bah, parce que en vrai, dans moins d'un mois là. Ouais. Ça y est. Hein. Ah, on y est. Dans un mois. Hein. 16 heures d'escale. Bien. En Chine. On va bouffer des ramen. on fait des ramen, on va faire que bouffer, frère. Tu penses qu'ils ont un Burger King en vrai là-bas? Je sais même pas. En vrai, je pense pas. Merci. Toi, tes impressions? Ouais, tes impressions, mec. Ah, compliqué là, franchement, le terrain est pas adapté, un peu de vent. Là, je sais pas comment ça se passe là. On gagne toujours, mais bon, là, on va se faire remonter, on le sent. L'équipe adverse commence à plus picoler que nous, donc bon. Combien ils ont pété, moi, encore? On perd. C'est compliqué. Ça va ou pas? Ouais, ça va. Nickel. Pourquoi t'as deux yeux sur ton... Putain, on dirait un petit bonhomme avec deux yeux, genre t'as... Petit deux yeux et une petite bouche. J'ai une petite tête cartoon, c'est drôle. Combien ils ont pété, moi? Ça, je me dis, tu vois, il y a des trucs qui sont bons à prendre. Ça, ce sera pas bon à prendre, ce sera dans le making-of. Ça sera dans le making-of, tu crois? Ouais, si tu finis genre vachement près, tu vois, c'est... Mais non, ça va en vrai. Attends, grand angle? Non. Mais en vrai... Oui, elle est là, elle est à l'autre bout du...
T'as beau avoir une grosse tête, ça va. T'as pas de dents. Merde, man. Ça fait moins de bière. Ah, on perd, la mec. Ah, on perd. Je te mets dans la poche. Mais mets-moi la boule dans la poche. Boule, je me cadre bien là. Ah, t'es bien cadré là. Je suis bien cadré. Ouais, t'es bien cadré. Ouais. Oh, ouais, ça va. Albert Reporter. Albert Reporter. T'as un petit message ou quoi à passer pour les internautes là qui vont nous écouter? Voilà, la partie est plutôt bonne. Bon, les adversaires sont pas trop concentrés quoi. Ça fait 11-3, je crois. Bon, y a pas trop de, pas de concurrence. Après, en vrai, j'ai envie de te dire, laisse-nous en un peu, tu vois. Ouais, frérot, mais... t'es fort au palais, t'es fort à la pétanque. Bah, t'es fort au lit. C'est de la triche, il y a l'équipe des conducteurs et l'équipe. On n'a pas encore essayé, tu sais pas. Ah, mais ça ne serait tardé. Il faut avoir le compas dans l'œil, quoi. C'est toute la vision. Toute ma vie, j'ai été chez l'ophtalmo, donc juste pour ça. C'est très mauvais, mon ophtalmo. Ah ouais. Comme ton coiffeur aussi. Je suis en transition capillaire. J'ai pas envie de voir vos gueules en fait. Bon con. Yo les petits choux, c'est Michou. Aujourd'hui on joue à Fortnite. Bref, trop bonne destination, je vous conseille. Salut les choux. Alors aujourd'hui on est à une confidence. Comment c'est une vidéo? Je t'emmerde. Y'a mon cousin. Il y a des priorités moi. J'y réponds pas, j'en peux dire. Sans oublier que le jour de gloire est arrivé. Ici le produit est tarifé. Et s'il y a problème mon gars on va le clarifier. On est détenu, regarde si tout y est. On est juste oublié. Salut mec. Tu veux nous manquer mec? Tu vas où? Où est-ce que tu pars Melvin? Hein? Où est-ce que tu pars? Non, partez pas vraiment. Non, on part pas. Non, partez pas. Salut les gars, ouais, bon bah salut. On voulait vous souhaiter un bon voyage en Australie. Oui. En espérant que vous reveniez vivant. Bah ouais, ça serait sympa. Après, on sait pas trop pourquoi vous vouliez aller aussi loin. Genre des kangourous, il y en a dans des zoos, pas aussi loin. Puis on est là quoi. Ouais, genre vraiment. Et bah bon voyage, et puis vous allez profitez nous manquer, bien. On vous aime beaucoup, bisous. Revenez vite. Alors les copains, je vous souhaite un très bon voyage. Mais bon, Melville, ça va faire très bizarre à ton retour. Parce que là, franchement, ce soir, c'est la dernière fois que je te vois avec des cheveux sur le caillou. Parce que je sais très bien que tu vas revenir sans aucun poil sur le caillou. Malo, prends garde, s'il te plaît, à pas manger n'importe quoi. Genre, je parle par là, genre serpent, crocodile, araignée. Parce que bon, t'aimes un peu trop mettre des trucs bizarres dans ta bouche, toi. Genre, entre ça et des bites, bon, voilà. Et Léo, serait bien que t'évites de pisser un petit peu trop partout. Je plains les pauvres parce que niveau odeur ça va être un peu costaud. Donc en tout cas bah bon voyage les copains. Là, donc là on est actuellement dans un coin du bar, en train de tout planifier pour l'enterrement de nos potes. Pour l'enterrement de nos potes, ouais. On va se faire défoncer par un kangourou. Kangourou, bah pff, kangourou, crocodile, méduse, les darons. Et quoi? Non. Non parce qu'on les connaît. Ah ok. Ouais, c'est ça. Et enfin bref, on va pas changer d'utiliser parce que c'est très compliqué. C'est très dur, c'est pas simple. Même si Bref, août, mis à part ça, on vous aime, les gars, bon voyage. Pas du tout. Bon, il ment très fort. Non, vous allez nous manquer. Mais de fou. Bon, Léo, on se voit dans 6 mois, donc ça va aller, on pourra se prendre des culs de chez moi. C'est le seul où on a envie qu'il rentre, mais j'imagine. Bah, ouais, okay, c'est le seul où on se dit, putain, il pourrait rester genre 3 ans, c'est vrai, tu vois. C'est comme ça. Après, bon, Melville et Maloff, on espère que vous allez survivre. Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, on aura des vlogs. Le jour où on se dira, ah putain, ce dimanche, j'ai pas de vlog, on serait, vous êtes plus là, quoi. Ouais, c'est comme ça. Non, mais on vous aime très fort, les gars, et puis bah. Bon courage, bon courage, ouais, surtout bon courage, hein, parce que
à 3, ça va être compliqué. Surtout avec un mec qui se brosse les dents avec les wads, qui se met dans le cul avant. Après, c'est, en vrai, il a raison, parce qu'en vrai, le meilleur truc, c'est genre tu te frottes la prostate, après tu brosses les dents avec tes doigts, enfin bref. Et puis, ça pourrait bien marcher si pareil, donc voilà. Je suis d'accord. Mais bon, ouais, j'ai... on vous aime très fort. On est très très bien, on fait un cœur comme ça. Un très beau cœur. Bon voyage et bonne aventure aux Australiens. Et bon, essayez de nous revenir quand même, ce serait plus sympa. Allez, à bientôt. Et bonjour aux kangourous. Oh, oh my god. Oh, la transition du pute. La transition des arbres. Ouais les gars, bah, vous allez beaucoup me manquer. J'espère que vous allez pas mourir, surtout. Léo, pense à te brosser les dents, c'est important. L'hygiène. Melville essaye de pas se faire violer parce que deux anus c'est assez comme ça, y a pas besoin d'un troisième. Et puis bah Malo, bah que dire au final, j'ai même pas les mots. Bah gros cœur et puis bah j'espère que tout va bien se passer et que tu vas revenir encore plus riche que tu es parti, j'espère, pour vous tous. C'est important, l'argent aussi. Vas-y, dis quelques mots pour... Oula, ça s'est éteint. Attends. C'est tout noir. Ah, c'est bon, à toi. Ah oui. Eh ben, les copains, eh ben moi j'espère que vous allez bien vous amuser en Australie, parce que je sens que c'est avec une expérience sociale super intéressante. Et je pense que vous allez pouvoir développer des compétences dans la survie, Léo dans l'autonomie par rapport à ta meuf, parce que t'es un peu une victime, Melville dans l'autonomie par rapport à tes cheveux, parce que t'as des petits problèmes capillaires et peut-être que tu pourras devenir un peu moins chauve que tu l'as actuellement. Donc j'espère que tu vas pouvoir un peu mettre des implants capillaires comme ça. Et puis bah Malo, j'espère que tu vas kiffer toute ta vie en Indonésie et que tu vas rencontrer ta femme Margot Robbie là-bas. Donc j'espère que ça va être une super aventure quoi. Donc profitez bien les amis. Mais tu pars avec eux genre? Ah ouais si. Ah oui, si peut-être un peu. Pourquoi tu fais un sieste d'adieu à toi-même? Ah oui, non parce bizarre, que ouais. Non mais je m'aime un peu. Bah il est parti. Il est bizarre votre copain. Faut l'interner, je crois. Alors, je suis pas très bon pour les discours mais moi bon. Non plus. Attends, je fais juste un truc. Bah ça pue. Bah du coup je te le dis à toi mais aux deux autres aussi. Si tu veux j'écoute pas. Vous avez de la chance. Vous allez faire un voyage d'enculé. J'espère que ce sera bien. Vous allez vivre des trucs de zinzin. Tu bouges bien tes oreilles. Hein. Tu bouges, continue. Ah. Et bon je pense qu'ils te l'ont déjà dit mais j'espère que vous allez tous vous battre avec des kangourous. C'est pas très original mais Attends, peut-être que... Ah merde, j'écoute pas. Bah t'écoute fils de... Mais comment tu veux, je me concentre, t'es à côté de moi frère. Et du coup, bah, j'espère que vous avez passé un voyage de zinzin. Vous regarderez ça, vous serez content quand vous serez triste. Et alors je sais pas comment ça va se passer, mais vous allez nous manquer. Du coup bisous bande de sac à merde là. Alors, je suis désolé, c'était pas le meilleur message, mais je suis nul en paraphrase, mais bisous. Paraphrase, ça veut rien dire, tu vois, je suis encore plus nul en... Nique sa mère. Comment? Désolé, je suis nul en métaphore. Je suis nul en anglais, je suis désolé les gars. Bonsoir à toutes et à tous, ici c'est Albert Reporter, nous vous interviewons aujourd'hui pour avoir un sujet un peu pertinent quand même sur le départ de nos trois camarades. Les trois camarades qui sont bien évidemment Melville Lepel, Léo Levanier et Malo Fauché. Ils partent ce soir à partir de minuit. Monsieur, qu'en pensez-vous? J'en pense qu'ils vont me manquer un petit peu, mine de rien. Mais après c'est des bons camarades, on a bien fait la fête ensemble, j'espère que eux ils vont apprécier leur séjour. On voit qu'il est très touché par le discours, on voit qu'il est vraiment pas content. Excusez-moi, oui je suis touché, je suis malheureux et triste en même temps, mais ému et heureux aussi. Tout ça dans un même corps c'est difficile. Voilà il est touché un peu comme la guerre en Palestine, c'est pareil, on en parle pas assez, mais bon qui passera en 2027 et ce sera Bardella ou encore la gauche, on sait pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? J'en pense que la France a un avis. C'est super, c'est une femme, on s'en fout de son avis, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les droits vont être enlevés, c'est qu'une option, leur autorisation. Sur ce, vous c'est un gros bisou, et pour les informations, surtout, nous suivez, surtout pas. Comment on coupe cette merde? C'est là. Comme ça, là. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet
à la mode en ce moment, énormément à la mode, les jeunes qui voyagent. Les jeunes qui voyagent, nous parlons avant tout de Léo Levani, Melville Lepay et Malafouché, qui sont en voyage aujourd'hui, et j'ai avec moi un camarade avec moi qui aimerait en toucher deux mots pour leur départ. Voilà, et dis-moi tout, dis-moi plus. Ouais, ouais, bonsoir la team. Voilà, c'était un très beau discours, très émouvant, on a senti l'émotion. On peut retourner vers d'autres personnes. Hey, t'as une clope. Ouais, je vais avoir ça. T'as une clope. Ah, je m'en fous, moi. Bâtard. T'as une crotte de nez. Ah bon? Oui, je te jure. Ah merde. Un petit peu moi aussi. Ouais, on revient vers une autre personne, une autre camarade qui a peut-être un peu plus de choses à dire que monsieur auparavant. Elle s'appelle Emma, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je sais pas trop comment elle s'appelle celle-là. Elle est verte. C'est à la mode. Allez, parle dans le micro, parle dans le micro. Waouh, 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 waouh. On nous lâche une bombe nucléaire. Là, comme ça. J'étais pas prêt. Vous aimez les gars, petit dernier vlog, mon gars, avant de partir. Je sais pas, Ah, c'est pas là, j'ai fait mon cours de pole dance. Non, je l'ai pas. Putain, tu l'as pas. Ah, si, c'était par là. Voilà. Ah. Bon, on attend là, ferme ta gueule, putain. Non, mais fais-toi fister par un chameau, sale fils. Non, arrêtez. C'est pas un Flexibus, ça, c'était un Blablacar bus. Non, mais c'était. C'est un Vic. C'est un Vic bus, c'est un Victor bus. Ton frère, c'est un bus? Ouais, un peu vu comme il est fat comme ça, mon gars. Le truc, c'est un pain d'épices, ton ref. Il y avait une affichette. Ah oui. Bon, on y était presque. Hein. Ouais. Après, c'est par à 1h45 les photos. Vraiment, il a dit ouais, c'est quoi comme bus? Il n'y a pas de bus. Oh, d'accord. Alors en vrai, il n'y a pas de destination. Ok. Alors qu'il y a vraiment un bus là-bas et il y a vraiment. Mais sans destination. Il y a vraiment beaucoup de gens en plus qui vont dedans. Mais alors qu'il n'y a pas de destination. En vrai. Non, y a pas, c'est en mode one life. Ouais. C'est en mode c'est pas trop où tu vas. Peut-être tu vas en Irlande, peut-être tu vas en Turquie, peut-être tu vas se faire le djihad. Tu sais pas. C'est... Oh, ouais. Ah, je pense, hein. C'est chaud, wesh. Ouais. On va attendre, on va voir. Mmh. Bon, du coup. Non, en vrai, 15 minutes avant. Et 15 minutes avant le. Et 15 minutes avant le Flexbus. On attend bientôt là, je pense. Il va arriver à l'aéroport Charles de Gaulle. Mmh. Charles de Gaulle, on n'a pas de billet. On va se dire. On n'a pas de billet, on va se débrouiller. À tout moment, on part pas. Hein. Non, je pense. Ça se trouve, on a fait tous les adieux, la soirée d'au revoir. Dans une semaine, on est retourné en Bretagne. Hein, dans... Ça se trouve, en vrai, on est le plus gros peintre de l'histoire. En vrai. Vraiment. Ça se trouve, à tout moment, Charles nous ramène direct à Rennes. Non, mais bon, les gars, on refait une année. Ah, mais, bah, ouais, mais en vrai, on fait une soirée. On fait une soirée. Du coup, ouais, pour l'occasion, quand même, ouais. Quand même. Bon, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de notre bled paumé de merde, là, jusqu'à Rennes. On s'est un peu bourré. Une... Moi, je suis un peu encore carpette, un petit peu. T'es un peu encore. T'es chiffon. Je vais avoir vomi au moins. T'es chiffon. J'ai au moins vomi 2-3 litres, mais ouais. J'ai encore un peu dans le gosier. Mais cet homme-là a vomi. Ouais, mais pourtant, je suis le plus frais de nous tous. Hein. Non, je pense que c'est cet homme le plus frais. Oui, je pense. Je suis quelqu'un de sage. Ouais, t'es quelqu'un de sage. Très sage. Il a dit qu'il vivait que pour les caméras. Hein. Il a annoncé dans la voiture. Mais oui, mais en vrai, je commence déjà à me détester. On va le frapper, mec, on va le frapper. En vrai je commence déjà à me détester. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. J'ai envie de te décaloter une calotte. Ah, mais c'est pour le bien de tous, en vrai, je crois. Ouais.
témoins qui se sont fait virer. C'est vrai? Ouais. Destination mystère. La destination mystère. Ah, ça m'intéresse pas trop. Là, bon, on y va, nous. Non, on va rester à Rennes, je pense que c'est plus safe. Et là, du coup, techniquement, si on arrive à prendre le bus, techniquement. Bah là on part de Rennes. On voit Charles de Gaulle, après on a 5 heures de bus. Attends, mais attends, faut dire l'heure quand même à laquelle on est là. 1h22, il arrive dans 10 minutes, il est 1h30 dans 10 minutes, 1h32 même s'il faut être un peu précis, tu sais. D'accord. 1h32 on rentre en bus, 1h52 on est parti du bus, on arrive à 1h52 à l'aéroport Charles de Gaulle, ouais. 1h53 on est dans l'aéroport Charles de Gaulle, 1h54 on s'enregistre à Xiamen Airlines si on a un peu de chance, 1h56 on est dans l'avion, 1h58 on est parti, on a décollé hein, donc ça peut se passer très rapidement hein. donc dans les 5 minutes là ça y est on décolle. Ouais. Dans les 5 minutes ou 6 heures, c'est à. Ça dépend. Parce que la vérité, c'est qu'on arrive à 7 heures là-bas et on arrive dans 5 heures là-bas, on décolle. Non, on arrive à 5 heures là-bas, on s'enregistre. 3 heures plus tard, à 11 heures, on décolle. C'est long. Ouais, c'est très long. C'est long ce que tu racontes. Oui, oui. Et après, du coup, il est 11 heures, on décolle. Et après, on a 9 heures. Et après, on se rearrête 16 heures. 16 heures, on va un peu s'ennuyer. On va refaire des vlogs. Et après 16 heures, on a re 9 heures. Et là, on arrive. Ouais. T'as suivi? Parce que moi, j'ai pas suivi ce que j'ai dit. Hein. Moi, j'ai vraiment pas suivi. Et je pense que personne a suivi là. Ouais. Mais sur iMovie, tu mettras un petit texte en mode. Ouais, tu me donnes du taf en fait, enculé. Destination là. Ouais. Ouais, parce que tu me donnes trop de boulot là. Je suis pas capable. Hein. Ouais. Ah, bah je pense que c'est notre bus. Bah là en fait, c'est notre bus qui arrive. Hey, hey, il est sur deux étages. Il est incroyable. Flixbus. Hein? Il va où? Je crois que c'est le nôtre. Hein. Ah oui, ça se trouve, il partait Van. Les gars, c'est écrit Van Paris. Hein. Hey ah, attends, ça veut dire qu'on aurait pu partir Van? Je crois que c'est ça. Van, c'est à 30 minutes de chez nous. Et là, on est à 1h, un quart de chez nous. Donc en vrai, qu'est-ce que. Par contre, gros. C'est pareil, enfin, je dis dedans. Par contre, là, t'étais vraiment assis là sur notre drone. Oh merde. En vrai, on est motivé là. Ouais, mais quelle heure là? Putain, j'ai un petit son pour ce coup. 6h09. Et pas la coulant, s'il te plaît. Ça a duré 1000 ans. Ouais. Vivement arrivé. Force, hein, les gars. Courage pour le voyage, les gars. 6 ans, tu sais. Là, ça fait du bien là. Que ce soit easy comme ça, on est calme. Bah putain, c'est con qu'on soit pas tous à côté. Ouais. Bon, mon gars. Oui. Checking. Nous deux, on est à côté. Bon, par contre, Léo, il s'est. De toute façon, on me fait baiser partout. Dans le Flixbus, tu t'es fait baiser aussi. Oui, j'étais à côté d'un mec qui mettait des coups de cul. Bon. Le Flixbus, d'ailleurs, un enfer. Ah ouais. Un enfer. Ça, faut qu'on en parle, ça. Ça sent vraiment ça le phoque. Mec, ça sent. Hein, ça sent, mec, le phoque là-dedans. Il fait 15 000 degrés à l'intérieur. C'était un sauna, vraiment. Donc, le Flixbus, faites pas. Je recommande pas. Non, on recommande pas. Allez à pied, hein. Ouais. Mais sinon, on s'est enregistré là d'une facilité déconcertante. 15 minutes, je dirais. Ouais. Le check-in. On était les premiers dans la file. On était les premiers. On est arrivé, ils venaient d'ouvrir le truc. On a enchaîné direct. On a eu un billet. Check-in au Xiamen. Ça, ça va être drôle. Ouais, ça, par ça contre, peut être la même histoire. S'enregistrer en chinois, par contre, ça va être quelque chose. Oh, ah, bol de riz, t'inquiète, je connais les bases. Je donne juste mon passeport, mon visa et elle se débrouille. Je parle pas. Elle parle même pas anglais. Déjà, Léo, va falloir que tu remplisses bien ton visa. Oui. Okay. Parce que c'est chinois traduit anglais. Ouais. L'autre, il a écrit heure d'arrivée, il va écrire Léo le Vanier. Ouais, bah ouais. T'inquiète. Et là, il y a un McDonald's. Ouais. Et du coup. On va pas y aller. Il est quelle heure? Donc on va voir ce qu'on va se bouffer. Bon bah du coup, on y est croissant et pain chocolat avant un moment là. Il a l'air délicieux en plus.
Il a l'air horrible. Ouais. J'ai dit ce matin. Il a l'air horrible. De ouf, je fais caca dessus. Le petit café pour un peu récupérer des 6 heures de Flixbus là. Qui était horrible. Plus ou moins pas facile. Ouais. Et après, juste derrière, il y a l'enregistrement. Enfin l'enregistrement, je suis con, on a déjà fait l'enregistrement. L'embarquement, ouais. Donc avec les portiques de sécurité, tout ça. Donc voilà. Normalement cet homme-là ne devrait pas passer. Ouais. Non. Mais lui par contre aucun problème. Parce que lui c'est un beau gosse. Ouais, ouais. Lui il a le sida, ça t'a pas dit pas. Arrête. Bon, on est en zone d'embarquement. Tout s'est bien passé. Ouais ouais ouais, on est là, encore en vie. Pas eu d'accrochage. Pas encore, ça sera dans l'avion je pense l'accrochage. Vu la gueule du truc, si on arrive en vie, c'est un miracle, clairement. Clairement c'est un miracle. On va aller voir Léo. Léo il fait les 100 pas là, je comprends pas ce qu'il fait. Tu fais quoi Léo? Je suis avec Laurine au téléphone. C'est vrai? Oui. Tu fais un petit au revoir à ta femme là? Oui. Oui, oui, oui. Dis bonjour Laurine. C'est un bébé? Ouais. Bon bah là on va pas tarder à décoller. Moi et Malo on est à côté. Mais Léo il se fait baiser donc il est pas à côté de nous. Donc voilà. Mais bon de toute façon là on a 11h40 de vol. Direction Xiamen. Ensuite 16 heures d'escale là-bas. Et après 9h30 de vol. Et on atterrit à Melbourne mardi. Alors qu'on est dimanche. Et on est parti samedi soir. Et on est parti samedi soir. Voilà. Si vous l'avez pas remarqué, on a pris une petite dérouillée. On a pris une petite dérouillée le samedi soir. On a un peu mal au bide en vrai. Enfin, moi en vrai j'ai mal au bide. T'as mal au bide, Malo toi? Ouais, ça va un peu, mais je pense que je vais buzz dans l'avion, ça va être cool. Ouais. Ça fera manger aux oiseaux. Surtout qu'on va bouffer des ramen dégueu dans l'avion. Ah, je pense que la bouffe ça va être dégueulasse, je pense. Ça va être horrible, je pense que ça va être un scandale. Pour m'occuper en vrai, bah, je vais commencer un peu à faire du montage. Bien obligé. Et puis voilà. J'ai téléchargé quelques trucs sur Netflix. Et puis on va s'occuper comme on peut pendant quasiment 12 heures de vol. Ça va pas être très fun, je pense. Bon, on vient d'arriver dans l'avion. Au final, on est content parce que le gros Léo, il est à côté de nous. Oui, je suis grave content parce que je pensais que j'allais être à côté de gens que... Parle plus fort, frère, on t'entend pas. Arrête, j'essaie de prendre confiance en moi. Ouais, un peu timide, non? Il a l'air un peu timide. Moi, je suis trop refait, il y a du baseball, gros. Baseball direct. J'ai pas ton temps, là, ton vlog de merde, j'en ai rien à foutre. Ah non. Vous allez faire un match de baseball là? Ah non en fait. Ouais. Par contre c'est comme la Wii, tu sais, faut faire quoi? Bah comme quand tu fais du baseball. Et fais attention au câble. Hein. Comme ça? Ouais. Okay, voilà, je suis refait là, c'est un bien sport. Regarde le truc de zinzin. Regarde le truc de zinzin. Ouais, en vrai ça va être stylé. Ouais. Oh oh. Non non non. Non non. Let's go. Il l'a eu. Premier panier mon gars. Ah, moi j'ai plus de jump. T'es concentré, bébé. Bah oui, en plus je joue pas. Putain, tu l'as encore mis, mais t'es trop fort. Ouais, je m'arrête plus. Il est trop facile ce jeu en fait. Non, 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 je m'arrête plus. Je m'arrête plus, je suis juste trop chaud en fait. Sit down. Sit down. Les films, ils ont l'air éclatés. Ah ouais? C'est quoi les films? Que des trucs. Il écrit 3. Bah vas-y, en fait, on va regarder. Ça va se mettre écrit 3. Hein. Ouais. C'est tactile et tout, t'as vu. Ouais. Et il nous donne une bouteille d'eau. Et viens. Mais si ça c'est. Et viens. Du truc français. Xiamen Airlines. Jamais je reparle mal des Chinois. Et exactement. Mec, on a même des porte-gobelets. Frère, c'est quoi ça? Par contre, la taille de la tablette, on en parle. Je pense qu'on mange debout, je pense. Mais non, regarde. Ah, ça va. Bon, bah voilà. Tu me dis si tu veux des conseils à venir. Non, mais ouais. Il est balèze l'avion, moi quand même. Enfin, balèze. Pas aussi gros que ta mère, mais ça va, ouais. Maman, désolé. Hein. Est-ce que
que ouais, mais ouais non mais ma mère elle va regarder les vlogs en plus. Ouais, je sais. Une gros, je vais arrête de faire des gros plans sur les yeux. Hein? Arrête de quoi? Des gros plans là sur les yeux. Là. Mais non mais en vrai c'est. Et c'est super super immersif là. Regarde lui. C'est un bonhomme à l'envers. Là là. Fais le focus. Focus, c'est pas, la GoPro elle est cassée. Elle est cassée la GoPro. Check, vraiment. Mec, la dégaine que t'as, elle est aberrante. Regarde comment c'est. On a un petit plaid, on a un petit plaid commun. Moi j'ai que moitié. Comme des petites. Tarlouses, hein, finalement. C'est ça, c'est un peu précis. Lui il feuillette son truc là depuis tout à l'heure. Regarde, c'est beau ces paysages là. Wow. Regarde, ah, regarde-moi ça. 50 ans, mais on va aller en Chine plutôt qu'en Australie. Regarde-moi. Oh là 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 là. Là je voyage là. Là je voyage. Je vais te montrer comment les nouilles c'est supérieur. Ça fait plus envie que le poulet là. La vie de ma mère, c'est méga chaud aussi ton truc. Ouais, c'était super ouais, chaud. Elle est bonne ta petite salade? Oui, elle est fort bonne. Elle est fort bonne? Oui, à goût de trop peu. À goût de trop peu? Non, ça va. Ah. Au pire, si j'aime pas ça, le voyage. Ouais, ouais, elle est bonne. Regarde-moi ça, mec. Ok. Tu gagnes? Il avait demandé les nouilles, ouais. Et bah, il a eu la même chose que nous. Ouais. On va les nouilles dans le cul. C'est peut-être toi, c'est peut-être lui en fait qui a eu les nouilles. Ah, peut-être. Non, bah voilà, chicken rice. Ils ont l'air bonnes les nouilles. Hein. Ah, grave. Bah, du coup, t'as la même chose que nous en fait. Ouais, bah. Bon app, hein. Hein? Bon app, hein. Ouais, bon app, hein. C'est un peu chaud. Il y a du riz au lait. Non? C'est vrai, ça. Ouais, t'as, grave. T'as goûté toi? Ouais, c'est vrai que ça grave le goût du jus. Ouais, c'est vrai. C'est pas mauvais. C'est pas mal. Les genre. Jean Tiwek, Xiamen Airlines. Ça pue sa mère la bouffe. Bon, en vrai, ça va. Non, franchement, ça va. Enfin, jusque-là, ça va. On verra parce que on aura deux repas du coup. Et moi, je pense que je vais péter ta petite salade. Ouais, vas-y, la petite mayo, pète ma salade, bien. Mec. En vrai, pour l'instant, ça pète. Mais on aura peut-être un autre repas du coup. Un truc comme ça. Ouais, ils vont nous faire manger. Bon bah, on se reprend après. Hein. On se capte. Hein. On se capte. On se capte à tout. Hein. On se recapte. Xiamen Airlines, c'était top. Jusqu'à maintenant. Ouais, le truc il est salaire de jusqu'à qu'on mange du vomi. Ouais, jusqu'à ce qu'on nous donne du vomi en fait à manger avec un croissant. Vomi croissant. Ils peuvent filmer ma petite omelette d'amour. Et toi elle est bonne ton omelette? Bah oui, il y a des olives, il y a des œufs, il y a du caca. Alors, purée. Je viens d'arriver avec Xiamen. Oui, je viens de fumer une clope. J'avoue, j'ai envie de fumer une clope aussi. Et comment le vol Malo? On dirait des fesses. Non, sinon énervé en vrai. Hein. Je fais que dormir quasi tout le boulot, donc en vrai je suis patate là. Prêt à dégommer des tibias. Non, bah, nickel. On est à là. C'est vrai qu'il a fait que dormir Malo. Et cet homme, t'as trouvé comment ton trajet? Ça va. 2048. Ouais. Il a joué à 2048 pendant au moins 4 heures sur le vol. Je sais pas comment t'as fait. Gros zinzin. Mec, ton cerveau il doit être éteint là. Je vois des chiffres. Son cerveau c'est du ketchup. Aïe aïe, vous êtes chaud hein, sa mère dans l'avion. Oh, ouais, moi j'ai pas trop chaud. Ah ouais, c'est trop chaud là. Ah, moi j'ai trouvé qu'ici il faisait bon quand même. Ça. Bon, comme vous voyez à la lettre qui est par terre, on est bien arrivé en Chine. Il fait beau. Il fait super beau. Il fait méga beau ça. Il fait super beau. On est bien là. On est bien. Par contre, impossible de se connecter au wifi. Ouais, c'est fini.
On l'a un peu dans le baba parce que du coup on peut donner des nouvelles aux personnes. Mais bon. C'est pas grave, mais ils verront le vlog dans deux semaines, c'est pas grave. Ouais, ça va. Et puis ça va, j'ai donné les numéros de, le numéro de vol. Ouais, ça, ils peuvent voir qu'on est bien arrivé. Par contre, ils peuvent se dire qu'on a été embarqué en Chine. Moi, ouais, j'ai pas donné, mais je pense que là, Laurine, elle est en train de chercher. C'est vrai? Là, ah ouais. Non, mais en vrai, c'est pas mal. Hein. Ouais, il y a déjà plein de. Il y a des backpackers. Il y a des backpackers qui attendent leur vol direction Sydney ou Melbourne. C'est ça. Ouais. Par contre, incroyable, putain, en Chine, minuit 38, grand soleil. Punk à chien de Xiamen là du coup. On a trouvé deux Français, des copains de Canette et puis il y a un petit parc devant le devant l'aéroport donc c'est nickel quoi. On est plus heureux du monde. Bon, on a trouvé deux Français en plus de nous. On a bu chacun 2 litres de bière. En vrai, ça va. Il y avait de la Bud Budenken. Il y avait de la Budweiser. Ah, ça faisait plaisir. Ah, ça faisait plaisir là, hein. Carrément, on a sorti la cape. Ouais, et là on va aller manger parce qu'en vrai il est 16h. Donc ouais, pas le tout, mais bon, on est en train de picoler depuis 10h ce matin. 16h, premier repas c'était petit déjà à 7h. Tout ce qu'on a mangé d'ici là c'est 2 litres de bière. Donc ouais, il est temps. C'est vrai qu'il est un peu temps. C'est le temps qu'on se la met. Sonne pas là! Tête! Je commence à être aromatisé au moins! Hein. Oh putain, il est sanglier! On fait un petit bout quand même! Ouais, ouais, il serait temps là quand même! La grenadine elle commence à monter! Putain. La grenadine! Ah, le diabolo il tape sur le gosier! Hein. Putain! Bah, faut bien passer le temps comme on peut. Hein. Oui, bah oui. En vrai. C'est plus fin. On réitère les princes. Casse pas la gueule là, pour moi. Tu sais, j'ai failli faire mon truc comme ça, mais je suis avec mon sac à dos. Sûr, je fais un plat. Mec, j'ai les yeux en triangle. Tu vois pas un mètre. On est au terminal 1B. On doit être au terminal 3 de base. On doit faire le check-in. Enfin, déjà, on doit trouver un terminal déjà. Oui, on est au terminal 1. On doit aller au terminal 3. On sait pas, même, on sait même pas s'il existe le terminal 3. On sait pas s'il existe le terminal 3. C'est juste qu'on est arrivé depuis 6 heures. Ça fait même 10 heures. Ça fait 10 heures qu'on est là. On s'est même pas dit on va commencer à chercher. Non. On s'est dit on va aller au KFC. On va manger. Après on commencera à chercher. Après on commencera les recherches du terminal 3 là. Par contre, truc de zinzin. En vrai, ici, c'est un métier. Tous les gens qui sont là. Genre cette meuf là. La madame là, et bah. Elle se grattait les aisselles. Oui, elle se grattait les aisselles. Là, elle se gratte toujours les aisselles. Oui. Sur le même, au même endroit. Je pense que c'est, au même endroit. C'est son taf. Elle est figurante à plein temps. Oui, et bien en fait, il n'y a que des figurants. Genre, là, il y a une dame là, elle est assise, elle fait rien de sa journée. Mais si elle détecte les bombes de quoi tu parles. Ah, ouais, et elle agite un drapeau vert comme ça quand c'est bon qu'il n'y a pas de bombes. Du coup, voilà. Mais là-bas, il y a vraiment des métiers de ouf. Genre, c'est incroyable. Ça vient, il y a un mec qui est posté là. Voilà. Genre, voilà, il y avait un mec qui était juste posé là. Genre, son métier, c'est d'être là. Il y a des tafs, ouais. De figurants dans l'aéroport. Mais, en vrai, je me dis, tu vois, même le marbre au sol, eh ben, il doit être imprégné de ses pieds tellement qu'il reste là tout le temps. C'est ça. Ouais. Mec, t'as pas dit aussi, hein. T'as pas dit les meufs, parce qu'on a bu dans un parc, et t'as pas dit les meufs qui font du jardinage qui sont sur le même parquet de fleurs depuis 6 heures. Ça, tu l'as pas dit, aussi, mec. Parce que... Vraiment, la Chine, c'est le summum de la productivité. Genre, c'est vraiment incroyable. Truc de ouf. Ils prennent jamais la carte ici. En vrai, c'est un truc de fou. On est au KFC. Au KFC. Au KFC.
Ils prennent pas la carte. Bien plus costaud que la dernière fois. On est en Chine, c'est quand même pas le pays le moins développé. J'avoue, ils prennent pas la carte. Ici, ils veulent que le cash. C'est un truc de zinzin quand même. Mais non, c'est bon. Attends, il t'en faut 8 pour te faire un repas. Bah, mais c'est ce que c'était le matin, ils autorisaient peut-être pas les. Peut-être qu'il y a des trucs plus costauds. Ah. On peut aller faire une arrière. De toute façon, on a le temps, on peut faire un peu de marche. Bah oui, de toute façon, on va faire un peu de marche. Hein. Là, ça va pas mal. Bon, on va aller au McDo. Hein. On va aller au Domac. Là, on retourne chez Tati Sabrina. La copine, celle qui nous fournit en. Celle qui nous fournit en chiennette tout à l'heure. C'est celle qui nous a. Elle nous a fait notre après-midi. Ouais. Bah ouais, de ouf. Hein. Ouais, mais il a été dépensé à bonne échéance. Ça sera remboursé très vite. Profite du rapide beurre après. Même le croissant dans l'avion était moins beurré. Ah oh oui, là je fais des mètres. Nom de Dieu. Alors, on dort un gros sac à merde. Mec, j'ai vraiment endormi. Tu sais que nous aussi, on s'est endormi en 5 minutes, mec. Wow, ouais. Heureusement, Polo nous a réveillé parce que sinon c'était terminé. Ah oui, oui, hein. Let's go. Bon, on est enfin enregistré. Eh oui. Bon, encore 3 heures d'attente. Ouais, on a bien nos billets. 3h30 d'attente encore. Sur 16 putains d'heures. C'est infernal. Non, c'est infernal. Ouais, c'est infernal. C'est infernal. Mais bon, en vrai, ça va. Comme on a trouvé des copains de canettes, en vrai, c'est passé plutôt vite. Donc voilà. Mais bon, il reste encore un peu de chemin à faire. Chose. Bon, là, on vient de passer les portiques de sécurité. On s'est fait fouiller comme never. Fouille même du bas le trou. Là, je peux le dire, on l'a décapé comme Jaja. Mec, ils ont trouvé un Mr. Freeze dedans. C'est vrai ? Mais moi, je l'avais oublié. C'est vrai ? Je te jure. Putain, ils t'ont pris du coup ? Mauvais délire. Bah ouais, ah, les bâtards. Et aussi, en Chine, sachez-le, pour ceux qui vont voyager en Chine, ces enculés, les briquets, ils les veulent pas. Enfin, ils veulent pas que vous preniez les briquets avec vous. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai caché dans mon baltrou. Il sent un peu le caca maintenant, mais en vrai, que si vous allez en Australie par Xiamen, mettez-le dans votre trou de balle. Il faut le mettre un peu profond parce qu'ils vont quand même venir vous le chercher. Et il avait pas les doigts assez longs. Donc. Et si vous posez la question, c'est les mêmes prises qu'en Australie aussi. Je sais pas si ça peut vous servir, mais voilà. C'est bon, hein, ça part. Hein. 9h. Bison s'envole. Hein. Oui, bison. Allez. Ah, sort de l'avion, il m'énerve déjà. Tu peux pas rester là, tu peux pas rester là. On a pris la carte SIM, Telstra. J'ai carrément oublié que tu veux le loguer. Ah bah si, ça m'était sorti de la tête. C'est vrai ? Ouais. Bah ouais, bah. On est là toujours. Va falloir t'y faire, hein. Ouais, du contenu. Toujours. Voilà. Pour les caméras. Exactement. Donc là, on a pris notre carte SIM. Carte SIM, Telstra. Prépayé, nickel, backup. Voilà. Choc à fait. Toi, t'as qu'une envie, toi, c'est d'aller te coucher, toi. Non, j'ai envie de boire des bières. T'as envie de boire des bières ? Oui. Bon, on va aller boire du canon, Léo. It's the first time for... No. I know it's the... Yeah.
vlogs. Qu'est-ce que t'as? Il a raison, il faut vlogger. Exactement, exactement. Avec ta chicha là, il pensait que c'était clope électronique le taxi. Mais non, c'était parce que lui il avait la clope au bec. Cigarette. Ah oui, j'avais roulé avant, tu vois. D'ailleurs, je crois qu'on l'entend dans. Oh bah oui, c'est rintimé. En même temps, toi, faut que t'arrêtes d'avoir ta clope au bec tout le temps ici, mon gars, tu vas être mal. Oui, en plus, ici. Bon, on vient sortir du bar. Très bon, on a très bu bon quelques bar. Bières, par contre, ça coûte très très cher. Hein. Les deux bières, l'équivalent 40 balles. Et là, on va à l'hostel. Donc, voilà. Parce qu'on était au bar pour attendre le check-in. Donc, voilà. Là maintenant, let's go to the Space Hotel. En vrai, pour une auberge, on se met grave bien. Voilà, chambre privative. Nous. Et salle de bain privative. Tout est incroyable. Tout est privatif. Ouais, en plus, c'est bien, la douche elle est grande, c'est pas un petit truc. Ouais, bon, en vrai, ouais. Et non, elle est bien. Ouais, la vue est carrée de ouf. Et la vue est incroyable. Ouvrir les fenêtres, ça c'est vrai. Ouais. Mais quoi, bah. Franchement, le Space Hotel, ça tue. Hein. Il est très très carré. Hein. Ouais, grave. Et plus le rooftop. Ah là 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 là. Ah, franchement, c'est grave grave bien. Ouais, trop là, bon. Là, c'est calme. Combien caca dans le Space Hotel et le remake. Malo. Tu te fais pas chier dans ton train vide merde là. Ah si, assez littéral. Ouais, démissionne. Ouais. Ouais. Voilà. Ben là, les gars, on y est. Hein. On y est. Ouais, putain, ouais. Après 45 heures de. Bah non, mais tu viens. Bon, moi je viens de prendre une faciale de flotte, c'est cool. Je suis super heureux d'être là. Incroyable, mec. Hein. Ah ouais, hein. C'est incroyable, hein. Putain, mon gars. Mec, en vrai, c'est ouf, hein. Sur tous les toits, il y a des terrasses. Même là, j'avoue. Malo, il sait que tu. Mais moi, je suis un aussi boy maintenant, gros. Hein. Je perds pas mon temps avec des chaussures. T'es grave un Australien maintenant, là, ça y est. L'autre, il marche mi-pied. Jusqu'à la fin de mes jours, je marche mi-pied. C'est vrai? J'ai pas regardé dans la rue s'il y avait des. Mais je vois une personne pieds dans la rue, je me mets pieds nus pendant deux semaines à même bord, juste à ça. Non, je crois que pour l'instant on a croisé personne. J'ai pas fait gaffe. Ouais, moi, si, moi j'ai fait gaffe, personne. C'est vrai? Oui. Putain, et la personne. Mais. Quoi? Mais c'est je vais pas le couper. Mec, je le couperai même pas. Je vais te dénoncer, je vais gagner 10 points, mec. Non, ça c'est en Chine, ça. Ah merde, c'est vrai. Ça, tu refais plus jamais ça. Il est bizarre votre pote là. C'est des yeux. C'est vrai que moi j'ai les yeux rouges. Mais propre. Propre sur toi, propre sur moi, propre sur vous. Laissez-moi sortir. Dam dam deo. Dan dan deo. En vrai, la douche fait, ça fait trop dur. C'est vrai que les cheveux, comme tu dis, ils sont doux un peu. Oui, c'est bizarre, ils sont pas tout crépus. Là. Bon, du coup, en Australie, on s'est dit qu'on allait être fit. Du coup, bah. Attends, ouais, fat burn parce que je suis loin de lever. Fat burn. Je prends toutes les calories en trop là. Là tu brûles du gras. J'ai fait une minute et en vrai je me sens déjà mieux dans mon corps. C'est vrai? Ouais, on peut aller se faire un domac. C'est vrai. Voilà. Non, en vrai, il y a plein de trucs qu'on n'utilisera pas, mais. Non, mais c'est sympa que ce soit là. Petite, oui. Allez.
Ouais, bon, il a redoublé la CP. Hein. Oui, oui, oui. Je sais pas, après je sais pas trop ce qu'on a en vérité, genre, on vient de ressortir des courses. Oui. En vrai, en faisant attention, en allant chez Aldi, et bah c'est les mêmes prix qu'en France. Genre il y a des produits, ça coûte plus cher qu'en France. Il y en a, c'est moins cher, donc ça s'équilibre. Donc en vrai, ça va en vrai. Genre pour la bouffe, il y a moyen de s'en tirer pour vraiment pas grand chose. C'est vert les gars. Donc en vrai, ouais, c'est carré. Bon, un sucre. Deuxième jour qu'on est là, on fait déjà des crêpes dans la cuisine de l'hostel, comme à la maison. En pizza de la maman. Il y a pire hein, comme cuisine. Hein. Ouais, comme cuisine, il y a pire. Ouais, c'est clair. Bon, ça fait maintenant plus de 24 heures qu'on est sur Melbourne. Là, on a été ouvrir notre compte sur Westpac, chez Westpac. Donc voilà, en vrai c'est hyper facile. Et là, on a booké pour passer la white card demain. Donc comme ça, on verra bien ce que ça va donner. Et là, on va au Liquor Store avec les deux Français qu'on a rencontrés à Xiamen. Donc voilà, on va acheter quelques bières et on va aller, voir s'il y a un parc pas très loin. Ça pour visiter un peu la ville. Mais pour l'instant, première bonne impression hein, de Melbourne. Loulou. Ouais. Incroyable cette ville. Oui, franchement, ouais. Exceptionnel. Satisfaisante, on pourrait dire. Exactement, satisfaisante. Voilà, donc en vrai, on a bien avancé sur les démarches. Il reste plus que notre CV à faire et récupérer notre TFN en appelant numéro. En Chine, hein, c'est spécial. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu faire notre CV. Il y a des trucs pour faire sur place, le TFN, la banque. Genre, moi, j'ai essayé de télécharger Gumtree. Si t'es pas en Australie, tu peux pas le télécharger. J'étais obligé de désactiver ma carte SIM française pour le télécharger. Quoi. Et avec ma carte SIM australienne. Donc voilà, donc on a bien avancé quand même. Donc en vrai, c'est carré. PD hein. Ouais. Pas de bonne celle-là. Petit sandwich. On dirait pas, mais il y a du travail hein, de fait. Hein. Ouais. C'est pas juste, on a fait ça comme ça, vas-y. Non. C'est bon ? Très bon. Ouais. La vue est pas mal aussi. Hein. Aujourd'hui, on a passé de super moments vu qu'on a fait la white card. White card, ça sert un peu à la construction en fait, pour notamment les agences d'intérim. Donc, je pense que ça va être. C'est un peu essentiel de l'avoir, hein, parce que nous, on est des mecs un peu balèzes. Ouais, on est très manuel. Très manuel. Donc, voilà. Donc, on a passé ça. C'était super compliqué. On nous a donné pas beaucoup de réponses et tout. Donc, en vrai, c'était assez complexe. On a eu du cravacher et tout. Donc du coup on l'a eu direct et puis après on a acheté petit pack de rivettes comme ça là, les 24 là, carton, on s'est travaillé ça pendant 6h30. Ouais. J'ai des marques là en plus, j'ai vu, regarde, ça imprime le t-shirt le truc. Et puis on a pris ça, puis après on est allé à la plage, il n'y a pas le droit de boire, du coup on est allé à un parc et puis là nous y est quoi, donc Y'a plus qu'un. Y'a plus qu'un. On se revoit les yeux rouges dans 2 heures. Ça dièpe. Incroyable le parc hein. Incroyable hein, franchement. Putain, y'a des arbres et tout. Franchement, j'ai pas vu genre l'iguane ou quoi. Ouba. Quoi? Ouba.
Toi, voilà 4x4 à moi. T'es en Tasmanie là, il y a Marsupilami. Il y a des singes. Il y a des singes Albert Park, les gars. Albert Park, ça nous a tapé, Couper, ça nous a tapé sur la tête. Hein. Ah oui, mais. Ah, là, je suis caché, frérot, je suis en face de moi là. Oh. Albert Park, ça nous a un peu tapé sur la tête. Hein. Un peu même... tapé sur la tête. Ouais. Non, je suis en pleine forme. Même sur le tramway, même dans le tramway. L'autre, Ouais. Nous, on est juste de bonne humeur avec Léo. Regarde, regarde Léo comme. Oh, c'est Michoucroute. Non, vas-y, pas moi, moi je sais pas faire de galipette. Ok, intervalle de 2, tu fais une galipette. 1, 2, 3, 1. Faire une galipette. Non, non, mais c'est pour le vlog, c'est important. Hein. Yeah. We're vlogging. Yeah, we are vlogging. Yeah. You're vlogging? Yeah. You want to be part of the vlog? Yeah. Ok, ok. For the YouTube channel. Oh! Yeah! Oh! Let's go! Yeah! He do it, bro! Hein? Sammy, you smell like shit, là! Non, mais vrai, tu t'es chié dessus! Mais j'ai rien fait! Bien sûr, c'est toi, gros! Il y a une odeur, elle est. Ouais! Il y a une odeur, elle est venue à moi! Calme, calme, calme! Et les mecs, ils sont tellement bourrés, ils se rendent même pas compte quand ils s'y tuent, là! Vas-y, dédouane-toi. Mais 100% dans tout. Ouais, ouais, c'est malo, c'est malo, c'est malo. Mais non, c'est toi là, vraiment là. Ouais, ouais, mais chute, mais chute. Samy, Samy, t'es chiant. C'est malo. En vrai, moi, je crois que c'est Léo. Ouais. Parce que toi, t'as des antécédents. Mais justement, toi aussi. Mais regarde, ouais, regarde mes tibias. Regarde mes tibias. Aujourd'hui, ils sont propres. Il y a R, il y a R. Ouais, mais il y a deux jours, frérot, t'as jeté de caleçon quand même. Bon, par contre, t'es marron, par contre. Personne gère. Samy, tu gères, non? Normalement, c'est Samy qui gère, mec. C'est Léo tout à l'heure. C'est Melbourne Central. Ah, moi, je suis Melbourne Central. Moi, j'ai trouvé. J'en sais rien du tout, mec. Ah ouais? Mais j'en sais rien du tout, moi aussi. Ouais, mais tu dragues là. Non, mais là, on est derrière. Il y a plein d'arrêts. Arrête, t'as vu. Tu parles le mot anglais, t'es arrivé. Instagram, ta. Je parle le mot anglais, arrête. Et non, arrête, arrête. Hey, do you fuck my wife? Vas-y, arrête! T'as les mots, t'as les termes! Du coup, tu vas lui envoyer un message tout à l'heure. Hein? De quoi? Tu vas lui envoyer un message, tu vas lui dire on sort. Je sais pas, non, mais. Bien sûr, hein! Il a mis sa tête dans le retour. Le mec, il me fait un retour, je suis là, je suis comme ça. En plus, tu vois, ouais, t'inquiète. C'est pas maintenant. Ça, tu vas le montage, hein. Oui, oui. Ça t'attend en justice, un droit d'image. Ah ouais, c'est vrai. Ah merde. Moi, j'ai réussi. Moi aussi, mon gars. Ah, attends, tu m'étonnes qu'il ait fait un bon moyen. Tu sais, il est plein bu, là. Mais il est carreau dans ses couilles. Ah, j'ai le testicule en moi, enculé. Ça va sortir dans le métro là. Non mais Fiat, il y a peut-être des Vietcongs ici. Hein? Il y a peut-être des Vietcongs. Ouais, pas très content peut-être. On respecte rien ici. Ouais, ah non, on s'en bat les couilles là. Ouais, mon gars, mais je pense qu'avec vous, on va finir en garde. Même en France, il finit en garde à vue lui. And the city, sir. Good night. Yeah, goodbye. Ciao. Ciao. Ouais. À un moment, j'ai. En fait, j'ai pas du tout la sortie. J'ai abrégé la conversation, mon gars. C'est un foyer. Mais c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'en Australie, tu t'es ridicule. Hein? Ouais. Faut être ridicule ici, en fait. Oh, c'est bien sûr, mais. Putain, j'ai même pas mon bon Ricard, gros. J'aurais dû Mais mec, tu te feras carré de meuf autour de toi au kilomètre carré. C'est comme la pub Axe, tu vois, en gros. Non, mais le truc, je pense, le meilleur truc, c'est se curiner, se gratter les selles en mode comme ça, tu vois. Chien bronze. Et là, kiff, là, tu vois. Là, c'est. Ça, c'est le bouche, mon gars. Ça, c'est le bouche. J'aimerais bien. Rentre, je sais pas, tu sais que j'ai chié tout à l'heure.
d'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Parce que moi, je pensais que moi, je t'ai accusé toi parce que tu étais à côté. C'était pas toi. Ouais, hein. C'est pas toi, moi, c'était pas moi. Moi, c'était pas moi. C'est toi. Mais non, mec, ça a pué dans toute l'âme. T'as une choucroute dans le cul, gros. Non, je pense que c'est Malo parce que si j'allais vers là, ça pue ça. Moi, mec, j'ai rien fait. J'ai senti, j'ai dit, ouais, c'est Samy direct. Mais c'est pas Samy. Non, mais en vrai, j'ai des sentiments. Mais j'étais tellement proche, mon gars. Mais moi, pareil, sûr, c'est tout. Mais après t'as des antécédents anal, donc fais pas non plus. Non, je me chie dessus. Ouais, bah arrête de te chier dessus. Ah oui, si je convulse pas. Tant que tu trembles pas, y'a pas de risque de casse. Le chapeau, roi, quand j'ai. Bah en vrai, il est beau. En vrai, il est beau. Comme ça, là, il est beau. Attends, monte dans magnifique. Le retour. Mais non, mec, on dirait tante Suzanne, gros, qui va à la pêche. Non, il ressemble à rien. Chopé. Ah non, mais non, attends, mets-le bien voir. Oh non, en vrai. En vrai, il est beau que de dos, sur la tête, on dirait une tante Quechua. Hein. Très mal. Sale, con, le soleil. Très mal, très. Non, ça va. On le reverra, on reverra. Je tiens encore mal. J'ai mal. Putain, je saigne, Léo, tu casses les couilles. Ah, ma chaîne, ça va. Oui, regarde, mec, je saigne. Fais un bisou magique, fais un bisou magique. Golbe, ce sera rien. Moi, je suis pas de son avenue. Non, 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 gros. Non, 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 je... Oh, merde. Ça, ça rentre dans l'autre jack, ça. Ah, oh, oui. Ça, c'est mais sur OnlyFans, sur OnlyFans. Non, il est boring. Je vois pas, moi. J'ai arrêté à mes 25 ans, moi, c'est... Je te vois même pas. T'es en direct. Et puis tu tues. Gros gamos là, gros gamos qui arrive. Aïe 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 là. Dommage, c'est feu rouge. Putain, mais mec, ça puce le sang un peu, gros. Mais on s'est battu. Attends, avec. Je vais mettre en noir. Vas-y, vas-y. Ah non. Mais non, t'as mis que du rouge, espèce de sale merde. The Macan World Vlog. We are just here. We have Spider. Spider all around the place. Putain, je me suis cru pour. J'arrive pas. Oh man. Je ne chope pas. C'est chiant là. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant. J'ai envie de faire 3 heures de. 3 heures de son grand vie. Non, toujours pas. Non. Reste à s'il te plaît. Alcool after 11 p.m.
Hi. 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 C'est des Français, si. On était en train de se battre, c'est tout. Branche pour le rooftop, hein. Ouais. Merci. Bonne journée, hein. I have tis in my ass. Bon, première sortie sur Melbourne. Ouais, non, mais là on n'a pas bu encore, là on va sortir. Non. Il est français, lui, c'est sûr. C'est vrai? Ouais, je suis ma bite hier. Non, je crois pas. Non, si, moi je crois pas. J'ai un doute. Mets un coup de boule au plafond. Très. Ah, j'ai entendu un fait. Il a chuté dans mon oreille. Je suis mal au genou. Viens, attends. J'ai une gaieté. Ouais. Hi. Mec, appelle le Père Noël gratuitement. Call Santa for... Oui, 46. Attends. Oui. Comment on fait? 46. Non, mais ça fait rien. Non, faut mettre hashtag d'abord. Ah, vas-y. Mais y'a pas. Y'a pas hashtag. Monsieur Père Noël! Tiens, on bouffe ça. Monsieur le Père Noël, écoute-moi ça. Allez. Ah, il est là! Dame, Déo! Oh, oh, oh. J'ai reçu un SMS. J'ai 24 ans. Je vais mettre des grosses mandales. Reviens là! T'as de la chance, toi. Oh, à côté. Ouais, je veux du handball en N1. Non. Trop tard. Contre-cœur.
Calme down. Ok, calme down. No, don't see my face. Putain, j'en ai partout. Fais chier, t'es tout neuf. Putain. Fils de pute. Lui, fils. Fait trop le mec, par contre. Il est trop stoïque. Ouais. mais comment je me balade comme ça dans la rue de Melbourne? Ah ouais, gros. Frérot, je suis au milieu de la street. J'ai des séquelles. Tu veux que je fasse comment? Oh, shit. Oh, pardon. Sorry, man. It's gay. Il m'a niqué, mec. J'ai fait une rota, frère. Oh, Dior. On est assez drôle, putain, on est bien loin de chez nous. Oh, ouais. La vie du photomaton, mec. Très bien, non. En vrai, on est là. On y est dans 20 minutes, hein. Ah ouais. Oh, la grosse flemme. Oh, j'ai la flemme. Je vais trop te l'acheter. Venons, on dort là, là. Ça qui est chaud. En vrai, c'est pas grave. Oh, mais ouais, putain. Là, on va devoir monter. On est au Moulin Rouge, putain. On va monter encore la grosse montée. 10 minutes. Mais c'est dingue. Hi. Je sais pas qui c'est. Je suis en train de bander, t'es un malade de faire des trucs comme ça, gros. Tu sais très bien que je suis en manque en plus. C'est un ouf. Allez, là tu me lances une montée. Oh le bâtard. Non, tu fais pas la lime. J'ai mis la moitié sur mon dos, c'est de l'eau pétillante, ça partira jamais. On va trouver des chaussons là. Attends. Oh, mec, c'est des survêtements ou... Ah, ils sont pile à mon gant. J'ai même un pot de Ben & Jerry's. Non. Wesh, non. C'est un truc de clodo. Par contre, ouais. Là, par contre, c'est abusé. Là. Je suis pas du tout sur ça. On est twist, hein. C'est pas de la merde, hein. Non, mais gros. Mais c'était un clodo. Et c'est pas parce qu'il y a des chaussons que c'est forcément un clochard. Mais c'était surtout sur un banc, frère. Le truc. Mais il est à peine fondu. Oh, il y a encore de la queue. Oui. Non, là par contre, c'est un délire. Non. Oh, mais non, mais en plus, mais il kiffe ça en plus, il le mange. Mais gros. Rappelons qu'il a mangé une pomme à Rennes, frère. Oui. À côté de la gare, mec, mais oui, une pomme déjà croquée, frère. Elle était par terre, elle était déjà croquée. Elle commençait déjà à jaunir. Elle était encore verte, n'importe quoi. Avec ta glace, frère. Elle était à moitié verte. Attends, tu fais des trucs super. T'es vraiment un voyou. Non, arrête. T'as cette boisson là. Mec, tu manges un truc dans les poubelles, gros. T'as cette boisson. Ah ouais. Et allez, vite. Oh, y'a du. Hey, sanitizer. Bon, hier soir on a fait un peu la fête. Du coup, on est sorti dans une soirée techno. Techno-psy-trans. Et c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'était quelque chose. D'ailleurs, je pense que je vais avoir quelques images à vous montrer. Là maintenant, ça fait combien de temps qu'on est arrivé? On est arrivé mardi, là on est dimanche. Hier on était samedi soir. Et 5 jours.
C'est ça, ça fait 5 jours qu'on est arrivé. Donc voilà. Et puis bah, place aux images de hier soir. Bon, ce soir il est samedi soir, les gars. Sûr, tu fais du profit de zinzin. Et ce soir c'est soirée techno, ce donc. Ce soir c'est vénère. Ah, j'ai perdu une couille. Bon, du coup, là on va à une heure en train de Melbourne. Ah oh, là, ça pète. Ah là, c'est la frustrance, mon gars. T'es conique, mon gars. Comme ça. Ouais, j'ai fait aussi de l'acte des signes. Leo is by Deb. But my father, my name is Leo. But English very 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 good. Ferme ta gueule, franchement, t'es vraiment un vlogueur de merde. C'est un vlogueur de merde. Moi je le dis, moi j'ai pas peur de le dire. Melville est surcoté. Yeah, of course. Et il s'est fait mal en plus, Alors c'est lui qui a frappé ce gros chibre. I eating pussy. Little Jägermeister. Énervé mon gars, on était là, tu sais, boîte de nuit, en bas techno, en haut psy trans, en bas ça faisait boum boum, en haut ça faisait boum boum boum. Non c'est trop bien en vrai. Hein. Ouais c'était cool. Ah, j'ai dansé toute la night, je savais même pas que j'avais dansé de base et j'ai réussi à danser quand même toute la night mec. Ouais mec c'était une dinguerie. Léo il a pas arrêté gros, il a pêché au moins 3, combien 3-4 meufs. Ouais, 6 même je dirais. Facile dans la soirée. Non, il a ouais. Enchaîné mec. Putain ce bouc, c'est beau le mulet quand même, hein. C'est beau d'avoir un mulet. Ouais, hein. Et ça, tu vois que les meufs elles sont un peu en transe. Elles sont la chatte toute mouillée mec quand tu non, leur parles. C'est un délire. J'ai toujours ouais. Pas de mulet. Si. Mais si. Donne ta technique mec hein, parce que. Réveil de la plus grosse soirée de la semaine. Fait mal. Petit réveil pour Melville qui a beaucoup mal à la tête. À 15h17. Malou qui dort toujours. Pas très en forme, le garçon. C'était top hier. Ils sont censés abuser comme des petits fous. Ouais. Ça rigole pas les soirées ici. Hein. Un bon dimanche bien productif comme on les aime aujourd'hui. Wow. En même temps, on s'est couché. 7h. Ouais. Pas loin de 7, ouais, pas loin de 7. J'ai les jambes, elles sont explosées, mec. À force de. Ouais, mec. Force de danser, c'est drôle. Trop fait de folie avec mon corps. Ouais. Mec, j'ai dépensé beaucoup trop de thunes. C'est vrai? C'est la dernière fois que je fais ça pour trop de trucs. Mais j'ai dépensé plus de 100$. Ah ouais. Vas-y, je me suis fait une petite dinguerie, mais dans ma tête là, c'est fini. Les bêtises, je me après, 100$, dis-toi, ça fait 60€. Ouais, bah, en vrai, peut-être bien plus, je sais pas. Du cinquième jour, on peut dresser peut-être un petit premier bilan. Ouais, premier bilan, tiens. Allez. Premier bilan. Qu'est-ce que t'en penses de la ville, toi? Il est incroyable, dès qu'on est arrivé ici, on s'est senti direct à l'aise. Ouais. Les gens
trop cool, ça se voit, ils sont tous vibes. La ville est grande, personne ne se marche dessus. Après ça reste c'est immense, mais en même temps pas si immense que ça. Au final, on sent quand même bien ici. Ouais, on se sent hyper bien ici. Les Australiens sont hyper accueillants, ouais, franchement. Hyper accueillants. En boîte, tu pousses un mec sans faire exprès, il s'excuse. Sorry, man. Ils sont vraiment hyper accueillants. Ils viennent te voir, ils te disent putain, j'aime trop ce que tu dégages et tout, mec. Ouais. Ils sont vraiment incroyables. Ouais, sur ça. Donc voilà. Donc en vrai, c'est hyper cool. Aucune insécurité. Ouais, franchement, on sent hyper en sécurité ici. On peut être à 5 grammes, ce qui nous arrive assez souvent. Exactement. Sans se faire embêter. Exactement. Donc ça, c'est top. Mmh. Bon, par contre, quelques petits points négatifs. Oui. Ça là. Des clubs de merde. Des clubs de merde qui sont dégueulasses. Okay. 33$. $33. Donc c'est assez énorme. L'alcool aussi, c'est un budget, c'est n'importe quoi. Après, il y a quand même, si tu discutes à minima avec les gens, t'as quand même pas mal de tips qui tournent. Exactement. Pour avoir des clubs moins chers. Les clubs chinoises. Vous allez dans les bougies chinois, vous leur demandez des cheap cigarettes. Ouais, des cheap cigarettes. Voilà. $16 le paquet, au final, c'est moins cher qu'en France. Bon, donc, On n'a pas encore trouvé. Le boui-boui, mais on va trouver. Ouais. Ça permet de sortir à moindre frais. À pareil, moindre frais. Sur la bouffe, aller chez Aldi. Ouais, Aldi, c'est vraiment le truc. C'est limite, j'ai l'impression que sur l'alimentation, au final, tu t'en sors moins cher qu'en France. Ouais, moins cher au final quand tu reprends au kilo. Ouais. Après, il y a toujours des trucs un peu. Ça dépend. Dès que c'est importé, Dès que c'est importé, c'est beaucoup plus cher. Mais en mangeant local. Il y a moyen de s'en tirer pour pas grand chose. Mmh. Au final, la seule chose qui coûte vraiment super cher ici, c'est le logement. Le logement, ouais, c'est ça. Quand même, c'est quand même cher. Exactement. Ici, là en plus, on est sur la période de fin d'année où ça coûte hyper cher. Ouais. Ça va commencer à être les vacances. C'est ça. Il n'y a pas d'auberge en dessous de 300, 400 dollars semaine. Donc ça fait un peu un budget, donc nous je pense qu'on va faire peut-être faire une coloc avec des Français qu'on a rencontrés et que vous avez vu dans le vlog. Parce que quand on est arrivé ici, on savait pas trop ce qu'on allait faire après les deux semaines d'auberge. C'est ça. Mais on s'est dit franchement on se plaît bien ici. On va rester jusqu'aux fêtes. Pour faire les fêtes de fin d'année à Melbourne, parce que bon. Il y a quand même de quoi faire. Ouais. Voilà, donc pour l'instant, le projet, c'est de rester un peu sur Melbourne, prendre du coup une coloc avec les autres Français. Ouais, tout à fait. Le fait qu'on est sorti un peu là, du coup, la fin de la semaine, on a pu pas mal parler anglais. Rencontrer des Allemands. Hier, c'était full anglais. Exactement. Et c'est hyper plaisant. Parce que c'est vrai que depuis le début, forcément, on rencontrait que des Français, on n'était qu'entre Français. Mais faut qu'on essaye d'aller plus vers les Anglais. Après, à chaque fois, on discute, et puis ça prend des Insta. Ouais, c'est ça. Si on y recroise. C'est ça, ouais. Là, par exemple, hier, on était avec que des Allemands au début de soirée. Après, dans la boîte, on était avec que des Australiens. D'autres régions aussi, d'autres pays et tout. C'est ça. C'était vraiment sympa. C'était vraiment cool. Ouais. Moi je suis encore un petit peu perdu, bien perdu. Je comprends tout. Mais ça va, tu comprends. Mais aligner deux phrases, ça commence à être chaud. Du coup je parle un peu avec ma tête ou des ok. Les ok ça marche très bien. Ok et faire ça de la tête. Enfin genre tu comprends. Ouais. Programme pour la semaine prochaine, là on est dimanche, donc dès demain, on va déposer nos CV, on va faire le tour des agences d'intérim de Melbourne. Si on croise des gens qui construisent, on passe aux employés. Exactement. Ici ça marche bien aussi de directement démarcher les gens sur les chantiers, parce que nous du coup on cherche dans la construction. Mmh. On a passé notre white card. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Et puis de toute façon pour la recherche du job, etc. Ça va être dans la prochaine vidéo. Voilà. En tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue. Mais voilà,
franchement, j'ai mis pas mal de temps, ça m'a pris pas mal de temps. Pas mal charbonné. Ouais. Exactement, là, je pense que je suis les heures de montage, je les compte même plus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Puis bon, si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ouais. Et voilà, ça aide pour le référencement, quoi. Ouais. T'es gros youtubeur, c'est un gros youtubeur. Ouais, gros youtubeur. Avant de devenir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, de toute façon. Bisous.